Blégoudé, c'est un problème de famille entre Gbagbo et moi. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Invité par la chaîne C de l'émission, la télé d'ici de l'animateur Cheikh Ivan, du lundi 25 septembre 2023, Charles Blégoudé, président du Congrès des Jeunes Patriotes, COJE, a évoqué ses relations avec l'ex-président Gbagbo et le problème de la Commission électorale indépendante, CI. Plusieurs fois, après son retour en Côte d'Ivoire, Charles Blégoudé a été interrogé par des journalistes sur la relation avec son père Laurent Gbagbo. Il disait que le moment venu, son père le recevrait. À d'autres occasions, il avait adressé un courrier et attendait d'être reçu. Lors de cette émission de la télé d'ici de Nancy, la question lui a été à nouveau posée. Il faut savoir les gérer pour ne pas dire un mot de plus, faire un acte de plus. Je sais que tôt ou tard, mon père et moi, allons nous voir, virgule a essayé de couper court, le président du COJE, Blégoudé. Abordant le cas de la CI, après les élections locales en Côte d'Ivoire du 2 septembre 2023, et vu les différentes plaintes et réclamations émises par les candidats et partis politiques, Blégoudé estime qu'il faut changer cette commission électorale en Côte d'Ivoire. Il y a dans ce pays des personnes neutres, et les politiciens font beaucoup de bruit. Il faut les enlever de la commission électorale, et la rendre véritablement indépendante. Des candidats du parti au pouvoir disent qu'il y a tricherie à la CI, les candidats de l'opposition disent aussi les mêmes choses. On est tous d'accord que la CI a un problème donc, il faut apporter les mesures correctives, dit-il, sans embâge. En définitive, le président du COJE analyse que les crises que la Côte d'Ivoire a vécues tirent leurs conséquences des élections mal organisées en Côte d'Ivoire. Pour le partenariat RHDP et le parti de Blégoudé, qu'est le COJE, il dira catégoriquement que cela n'est pas possible. Pour lui, il est de gauche, et le RHDP est un parti de droite. Je ne sais pas ce qu'un homme de gauche va faire dans une alliance avec un parti de droite, conclut-il.